Ja, goedenavond. Wij zijn dus gevraagd om iets te vertellen over stedelijke ecologie. En wij zullen dit doen vanuit de invalshoek van Leefmilieu Brussel als beheerders van de Brusselse natuur en de Brusselse groene ruimte. Nu, dat we steden moeten beschouwen als een ecosysteem om tot een duurzame stad te komen, is intussen doorgedrongen. Ook in Brussel. Maar zijn we echt op weg naar een ecologische hoofdstad? Laten we ons in onze acties inspireren op de stripverhalen van Guust Vlater, die heel wat goede oplossingen heeft. Of gaan we echt op zoek naar de kennis over Brussel, waarover deze avond toch gaat. En wat we zeker weten is dat Brussel een groene stad is. Een stad vol natuur. De cijfers spreken voor zich. Ik heb ze daar aangegeven. En in 2010, dat was het internationale jaar van de biodiversiteit, publiceerden we daarom een boek om de Brusselaars kennis te laten maken met deze natuur. En u kan ermee kennis maken aan onze stand in het Forum. Maar ons Brussels gewest heeft hogere ambities. Brussel wil een duurzaam stadsgewest worden en heeft dan ook zijn kandidatuur gesteld om in 2015 aangeduid te worden als Europese groene hoofdstad. Vorig jaar probeerden we het al eens en voor 2014 en we zijn gestrand op een eervolle vijfde plaats. Maar toch leuk om te zeggen vanuit onze invalshoek dat we eerst eens waren gerangschikt op het thema natuur en biodiversiteit. Nu, willen we echt erkend worden als een duurzame stad, dan moeten we wel anders beginnen denken over de stad. Dat deed professor Duvigneau, Paul Duvigneau van de ULB, reeds in 1974, intussen 40 jaar geleden, met zijn ontwikkeling, zijn visie over l'écosystème urbain. Hij baseerde zich op de cartografie van de grondbezetting in Brussel en ontwikkelde een model van flux van energie, afval, biomassa enzovoort. Zijn model werd tot nog toe nooit helemaal geactualiseerd. Maar in de beginjaren van het BIM, toen wij startten, herdeden we wel de cartografie. En dat werd dan de basis voor een eerste globale reflectie over Brussel in verband met natuur en groene ruimte. In het dossier van 1984, genoemd Promotie Biologisch Patrimonium, wezen we op de noodzaak aan kennis over Brussel en zijn landschappen, zijn bio-indicatoren. En werd ook de basis gelegd over de visie van het groen en blauwe netwerk dat nu onze politiek bepaalt voor een ecologisch beheer ook van onze groene ruimte. We hadden het toen nog niet over een duurzame stad, maar wel over de essentie van de duurzame stad. Een goede levenskwaliteit in de stad, een verbetering van de levenskwaliteit in Brussel. Nu, om de stad goed te begrijpen, moeten we vertrekken van de fysiogeografische kaart van Brussel, die zeer duidelijk de groene vallei aanduidt, de groene Zennevallei, waar zich nu dus het kanaal, de Zenne, zien we niet meer. En in het zuidoosten de meer oranje-rode, hoger gelegen gronden in het zuidoosten, waar dus het Soniumwoud nu is. Nu, Brussel bestaat ondertussen meer dan 1000 jaar. En wat heeft 1000 jaar civilisatie ons gebracht? Wel, een stad Brussel met nog steeds in dat zuidoosten dat stadsgedeelte in de bosinvloedsfeer met het Soniumwoud en zijn aangrenzende groene gemeente. We hebben nog steeds toch wel een aantal relict landelijke gebieden, vooral nog te zien in Neerpede, tot voor kort ook nog wel in Haarnen en Neder-Overeenbeek, maar het verdwijnt daar wel zeer snel. Dan hebben we die dichtbebouwde regio in het centrum uiteraard. En dan de valleien en de relictvochtige gebieden die doorheen deze diverse stadslandschappen gaan, maar die jammer genoeg al te vaak verdwenen zijn onder de grond. Dat zijn dus de lichtblauwere aanduidingen, zoals de Maalbeekvallei. We hebben ook zeer goede gegevens over de begroeningsgraad en de verdeling van de groene ruimte. En daaruit blijkt ook de ecologische ongelijkheid van Brussel. Het centrale rode gedeelte waar we weinig groene ruimte hebben. En de kwaliteit van het leefmilieu verschilt naargelang de buurt in Brussel. En de duurzame stad moet ook vechten tegen het feit dat de armste bevolking zich nog te veel situeert in deze gebieden met het minst groene ruimte, met het grootste gevaar voor overstroming, met het minst contact met natuur. En wat weten we over deze natuur? Wel intussen heel wat. Sinds 20 jaar hebben we monitoringprogramma's uitgewerkt op het BIM in samenwerking met vrijwilligers van natuurverenigingen en met universiteiten. En dat heeft geleid tot heel wat parate kennis over de biodiversiteit die we hebben gepubliceerd in atlassen en waarmee u ook kan kennismaken op onze stand. En dat stedelijk milieu is
in tegenstelling tot wat we zouden denken, heel rijk aan biodiversiteit. We hebben heel veel soorten. En voor wie daar graag meer over weet, wel, we hebben dus dit jaar een uitgebreid rapport over de staat van de natuur gemaakt en een samenvatting. U vindt een exemplaar daarvan op onze stand in het forum. En dus al wat u altijd wilde weten over hoe het gaat met de bloemetjes en de bijtjes in Brussel, maar nooit durfde vragen, dat staat erin. En deze reportage dient nu als basis voor een natuurplan waar we nu mee bezig zijn. Maar natuur in stedelijk milieu gaat niet alleen over bloemetjes en bijtjes en schone beelden. Ze levert in elk geval een zeer belangrijke intrinsieke bijdrage aan de biodiversiteit, want heel wat zeldzame soorten zijn hier aanwezig. En het belang van die urbane natuur is trouwens op de laatste grote Conference of Parties van de Conventie Biologische Diversiteit duidelijk erkend. Daar is duidelijk geweest op het belang van steden voor die natuur. Maar daarnaast levert die natuur ook die onschatbare, onmisbare ecosysteemdiensten, ook in de stad. Wat zouden we zijn zonder de ondersteunende diensten van de natuur, zoals bestuiving door bijen, de bodemvorming, de voedselcyclus? Wat zouden we zijn zonder die toevoerfuncties, de productie van hout, voedsel, water? Wat zouden we zijn zonder die regulerende functies, zoals de CO2-absorptie, de klimaatregulatie, de waterzuivering? En last but not least, wat zouden we zijn zonder haar culturele diensten? Het belang voor de recreatie, er is hier al op geweten, recreatie, het belang van het contact met natuur voor kinderen, die esthetische beleving van natuur, de educatieve waarde, de inspiratiewaarde. En wat de laatste jaren daarnaast ook meer en meer in de schijnwerker staat, dat is zeker het belang, de directe relatie tussen de gezondheid van de burger en de aanwezigheid van groene ruimte, natuur en biodiversiteit in de stad. En dit is slechts een greep uit de talrijke artikels die daarvan er zijn. En ik geef nu het woord aan mijn collega Serge, die meer de praktische toepassingen van onze visie gaat toelichten. Dank u, Machteld. Je ne pensais pas seulement faire un suivi de la partie que Machteld a déjà présentée, mais d'avoir autant de liens avec les exposés précédents où on a parlé des enfants, des jeux, où on a parlé de la promenade, où on a parlé des graffitis, etc. Et donc, tout ce qu'on vous a présenté maintenant se traduit dans des actes, mais des actes qui sont posés par des hommes qui ont, et c'est pour ça qu'on est là, un certain savoir, certaines connaissances dont on a absolument besoin. Et donc ici, on est bien avec un développement sur des longues durées, 20 ans au moins, avec un aspect qui est le maillage vert et bleu, avec un concept d'intégration qui est fondamental. L'écologie, c'est quelque chose qui ne demande pas de vivre chacun dans sa boîte, c'est de casser les boîtes et de vivre ensemble, d'avoir une transversalité dans tout ce qu'on fait. Et vous voyez que dans un process comme celui-ci, on voit bien ce qu'on a déjà dit, qu'il y avait une zone de carence dans le centre de la ville. Tous les géographes, toutes les personnes qui ont travaillé sur des cartes l'ont vu. Que dans ces zones de carence, on va avoir besoin de développer un maillage jeu pour les enfants. Qu'on va aussi développer un maillage potager pour qu'on puisse intégrer toute une série de lectures par rapport à l'alimentation. Et qu'on va avoir ce réseau nature qui va se développer également. Ce qui est essentiel actuellement au niveau de Bruxelles, c'est finalement deux gros enjeux pour cette ville au niveau des espaces verts. Et d'abord que les espaces verts et la nature, ce sont des choses particulières dans la ville. Il faut leur donner une identité. Il faut la préserver parce que les citadins ont besoin de se dépayser. Ils ont besoin de changer d'ambiance. Ils ont besoin d'odeur. Ils ont besoin d'autre chose. Et donc on va avoir deux problèmes. Celui de garder les paysages relictuels, comme la forêt de soigne, comme des paysages ruraux qui restent encore, et développer ce que maintenant tout le monde appelle des infrastructures vertes. C'est-à-dire, et ça fait plaisir aux ingénieurs, le terme infrastructure, des gros machins. Ça veut dire que maintenant, ceux qui défendent des espaces verts ne vont plus se contenter de petits machins, mais on a besoin de grosses infrastructures, et pas seulement des boulevards, on a besoin de plus qu'un boulevard devant la bourse. On va continuer, parce qu'on va avoir déjà à l'heure actuelle en préservation énormément de surface, mais il y a un débat et il y a un grand conflit sur la préservation des friches. Ce sont tous ces espaces qui pour le moment ne sont pas reconnus comme des espaces verts, mais qui sont des espaces qui sont intégrés dans de l'habitat ou de l'industrie, auxquels on va devoir donner de la valeur pour qu'ils s'intègrent et pour qu'ils créent ce grand maillage vert et bleu qu'on veut avoir sur la ville.
Les infrastructures vertes, eh bien la première, je n'ai plus besoin de vous la présenter, puisque Christophe Loire vous l'en a déjà parlé, c'est 63 km de promenade. 63 km construits en 5 ans, c'est important de connaître ces problèmes de durée. Et ces 63 km, c'est comme un collier de perles, finalement. On utilise les voiries, on rentre dans un parc, on utilise une voirie, on va dans un autre, et donc on va créer ces continuités. Mais comme on est dans un système un peu utopique, parce que construire 63 km de promenade à Bruxelles, 5 ans, c'était utopique. On a tout de même réussi à l'avoir, mais on va continuer à essayer de créer des utopies, faire rentrer la nature dans la ville. Un des exemples qui a été réalisé, c'est réduire les bandes de roulement de l'autoroute qui vient de Namur et mettre à la place des piétons et des cyclistes. C'est construire une passerelle en utilisant du Douglas ardennais, qui a été coupé en Ardennes, qui a été tourné en Ardennes pour faire les piliers de ces grandes passerelles que vous avez là. C'est toute une série d'utopies qu'il va falloir continuer à construire et à mettre en place sur la ville. Et derrière tout ça, il y a un élément fondamental, c'est la gestion, c'est l'entretien. C'est avoir des objectifs de qualité tels qu'on peut les rencontrer dans nos parcs historiques, mais la même qualité dans la gestion écologique, comme on va pouvoir le rencontrer dans des espaces où on va développer des paysages qui vont être des paysages complètement différents de ceux qu'on attend d'avoir en ville. C'est fondamental de pouvoir continuer, comme on l'a fait depuis 20 ans, à ne pas utiliser de pesticides, à gérer les prairies comme elles doivent être de manière naturelle. Et c'est comme ça qu'on obtient, comme l'a présenté McTelt, des cartes où on a une si grande diversité de la nature dans la ville. Le temps est un élément important auquel on ne fait pas suffisamment attention. Voici simplement et très rapidement un parc, le Keijenbeemt à Uccle. Eh bien, vous voyez qu'entre les premières interventions 2001 et la dernière 2011, il y a 10 ans. 10 ans. La durée, pour nous qui gérons des espaces naturels, c'est quelque chose de fondamental. Il faut savoir dans quelle durée on travaille, et on sait que de toute façon, on va devoir recommencer, parce que c'est le mythe de Sisyphe que d'entretenir un espace vert. Tous les jours, il faut recommencer, il faut s'accrocher pour pouvoir y arriver, et il faut être capable de faire évoluer. Ce sont des nouveaux liens qu'on va devoir créer, comme par exemple des parcs qui vont mettre en évidence l'alimentation durable. Mais c'est aussi toute une approche sur la participation. Arriver, et là je reviens vers les enfants de tout à l'heure, oui, il faut faire participer les enfants à la création de leur espace de jeu pour obtenir des espaces de jeu qui font 4 fois plus de capacité d'accueil que ce qu'il y avait auparavant. Mais cette participation ne doit pas se contenter au projet. Elle doit aussi continuer pendant toute la vie d'un site, pendant toute la vie d'un espace. Parc de la Rosée à Anderlecht, des gardiens animateurs qui vont voir pourquoi les enfants sont en décrochage scolaire, les amener à se réapproprier un espace, jouer ensemble, retrouver quand il pleut un local dans lequel ils vont jouer aux jeux de société. Toute cette approche, évidemment, elle doit aussi intégrer des approches naturelles. Certains ont été voir Park Design peut-être cet été. Utiliser la culture pour ceux qui n'ont pas envie de nature. Et ils vont découvrir l'importance de certaines de ces friches et de tous ces éléments. Tout ça, ça va nous amener aussi à développer un des principes du développement durable, qui est le partenariat. Obtenir une participation au niveau local, en acceptant de déléguer une partie du boulot à des gens qui vont, de manière bénévole, entretenir un certain nombre de sites ou faire un certain nombre d'opérations. C'est le cas dans les quartiers durables, mais c'est le cas avec des maîtres potagers ou c'est le cas avec des maîtres composteurs. Finalement, même quand on construit des bâtiments, on peut penser à l'intégration de la nature, puisque les bâtiments exemplaires, dont Bruxelles est un magnifique exemple pour le moment, intègrent des toitures vertes, des façades vertes, des coefficients de biodiversité, etc. etc. Et pour terminer, puisqu'il ne reste plus qu'une dizaine de secondes, eh bien, c'est bien court, 14 minutes pour vous présenter tout ça, mais vous avez des sites sur Bruxelles Environnement, vous avez un site de la ville durable, mais vous avez également les potagers urbains ou jeunes naturelecs qui vont vous permettre de retrouver une partie de ce que nous avons présenté ou essayer de vous présenter. Merci beaucoup.